Bonjour, je m'appelle Fabrice et je suis ici pour vous aider à apprendre le français, mais également je suis ici pour vous aider à améliorer votre français. Je vais également vous parler de la France et de sa culture. Aujourd'hui, une vidéo en deux parties. La première partie aujourd'hui, la seconde partie mercredi. Une vidéo donc sur un département français, sur le département de l'Ardèche. L'Ardèche se situe dans le sud de la France et également en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa préfecture est Privas et son nom vient de la rivière qui traverse ce département d'ouest en est. Ce département est composé de 335 communes et regroupe les plus beaux villages de France. Arrêtons-nous donc dans un de ces villages et nous voici maintenant à Balazuc. Ce petit village est pittoresque et charmant avec ses petites rues sinueuses, étroites et en pierre. Dans ce village, vous trouverez également un magnifique pont qui enjambe la rivière Ardèche. Un peu plus loin, dans ce village, vous trouverez quelques boutiques qui vendent des objets fabriqués à la main. Si vous avez un cadeau à faire, je suis preneur. Nous voici maintenant dans une maison familiale. C'est la maison d'Alphonse Daudet. Qui est Alphonse Daudet? Alphonse Daudet est très connu des Français car c'est un écrivain provençal qui a écrit, entre autres, les lettres de Montmoulin. Tous les Français ont lu les lettres de Montmoulin. Dans ce livre, vous avez une histoire que j'ai lue et que j'ai appréciée, qui s'appelle « La chèvre de Monsieur Seguin ».« La chèvre de Monsieur Seguin ». Voici quelques fresques qui parlent de cette histoire. Un peu plus loin, nous voici dans la cité du chocolat. Donc ça m'intéresse beaucoup. La cité du chocolat à Valrhonnard. Donc pour les gourmands, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez assister à la fabrication, mais également à la dégustation. Et pour ceux qui n'ont pas abandonné leurs petits animaux durant l'été, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, voici le bar à chiens qui est effectivement apprécié lors des fortes chaleurs. Voici quelques faits donc sur l'Ardèche fabriquée par les hommes. Mercredi, nous verrons les beautés de l'Ardèche, les beautés géologiques. Jusqu'à là, profitez de mes autres vidéos. Regardez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas que dans ma playlist, vous avez également des points de grammaire qui peuvent vous aider à renforcer vos connaissances. Et donc, je vous dis à mercredi. Au revoir.